Alors, ce sont des grandes retrouvailles d'abord, puisque, vous savez, la marque de la mutualité, elle existe déjà depuis pratiquement 30 ans. Elle a pris une certaine dimension depuis une dizaine d'années. C'est pour ça que le seul site qui peut nous accueillir, c'est pratiquement ici, puisque là, on a 3000 personnes quand même sur le site. C'est, on le voit là depuis ce matin, un vent de liberté retrouvé après les 2 ans de confinement. Et puis, le clou de la journée, je dirais, c'est la marche afghane. Parce que vous savez que la Mutualité de la Réunion a lancé un vaste programme de santé publique, déjà au moins 10 ans pour la première partie, c'est Respirons la santé. Parce que, bah, tout simplement, c'est tellement évident qu'on n'y pense pas, mais on pense à bien manger, à bien boire, alors que le plus important, c'est respirer. Parce que, vous savez, ben, normalement, si on ne respire pas pendant quelques minutes, c'est qu'il y a un gros souci définitif. Alors donc, et cela dit, c'est que le secret de la longévité, c'est la bonne respiration, la capacité respiratoire. Donc, pratiquer le programme Respirons la santé, initié par la Mutualité de la Réunion, c'est gratuit, à la disposition de tout le monde. Il faut savoir quand même comment faire, donc l'initiation elle est gratuite pour tout le monde. Et après, il y a énormément de déclinaisons concernant le sommeil, le stress, la bonne santé, le système immunitaire. Donc, la MAF aujourd'hui, c'est sous le signe Respirons la santé. Alors, il y a 3000 personnes sur le site, dont à peu près 200 personnes, 200 bénévoles. Et le reste, ce sont alors 200 personnes en mobilité réduite, 600 qui pratiquent spécifiquement la marche afghane, et le reste, c'est la marche familiale.